On va recréer le logo Apple. Donc on va insérer le logo. On le laisse à cette taille de toute façon. Voilà. Ensuite. On va créer. Premier arc en 3 points. Celui-là, on va pas le faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le spline. On se rapproche surtout pour être au mieux. On s'arrête là. Ensuite, on va faire un arc. Bouger celui-là. Voilà. Ce qu'on peut rajouter. Voilà. On va faire du spline. Là, je bouge la fenêtre. On va s'arrêter là. Il va rester. Il ne peut que rester. On va faire des traits. Plus ou moins. Et on s'aperçoit que c'est passé en mettre correctement. Donc si je fais extraire, on voit bien que le... on va faire sur les 10 mm. Centimètres, c'est quand même un peu gros. On va commencer, on va faire en 5. On va extraire. Ce qui est de la queue de la pomme, et ben, tout simple.
Faire en 2 secondes. 3 arc, 3 points. Voilà. Pareil. Extract. On va rechercher le dernier qu'on a utilisé. Et voilà. Maintenant, si on enlève le canvas, ça donne ça. Donc ça, c'est pour... Alors, je vais l'enregistrer. On va faire... Okay. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça à l'impression, mais sur AzureTrax. Pourquoi? Parce que on va tout simplement imprimer en plusieurs couches. Donc là. Là, on a le... La pomme. Alors, pour imprimer, par contre, pour imprimer en plusieurs couches, il va falloir que je le mette dans l'autre sens. Voilà. C'est de leur mettre bien droit. C'est lequel? C'est mix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner pour essayer de bien le placer, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'apparemment il n'est pas droit. Donc je vais faire place by face. Voilà. Et en fait, je vais ouais.
là, j'ai mon logo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print setting, metabs. On va faire éditable pour le support. On va faire le light. Généré. Donc là, si on regarde bien, si on avance. On a le support qui va se mettre. Donc là, on a la pomme qui s'imprime. Sachant que le logo Apple, il est là exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Donc, il faut diviser ça par 6. Donc, 6 par 100, ça fait 5, 30, 6, ça fait à peu près 15. À tous les 15%, je vais arrêter. Donc, on se met à 15%. Et là, on insère une pause. Insérer. À nouveau, donc 30%. Une pause. 45%, une pause. 60%, une pause. 75%, une pause. 90%, une pause. Et voilà. Donc on a, si on regarde les pauses, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc la dernière, on la. Ça ne fera pas, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer le fichier sur la carte SD. Et exporter le fichier.